Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est 25 et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode hashtag SR6. La série temps qui arrive eh bien, en retard parce que c'est l'anniversaire de la chaîne. Et vraiment, littéralement, il est venu en retard. Parce que c'était il y a 4 jours l'anniversaire de la chaîne et donc l'épisode vient 4 jours après, on est le 25. Et donc ce premier épisode parlera des stats de la chaîne depuis le début de l'existence de celle-ci. Alors au total, la chaîne a fait, selon YouTube, 47 093 vues. On est bientôt 50 000. Du coup, objectif atteindre les 50 000 ab j'ai été abonnés, non, les 50 000 vues avant la fin de l'année. En termes de vues, bon voilà, hein, 47 000. En termes de durée de visionnage en heure, ça fait 476,8, ce qui donne 476,8 divisé par 24. Le nombre de jours, et donc j'ai fait perdre à l'humanité 19 jours et quelques, ce qui est pas mal. Et 155 abonnés, sachant qu'on en a perdu un il y a tout à l'heure, je sais pas pourquoi. Bon, les vidéos les plus vues, hein, ne me demandez pas pourquoi certains sont dans ce top. Vraiment, certaines vidéos sont sorties il y a genre plusieurs années, mais bon. Il y a des épisodes dont on en parle, par exemple, qui font encore des centaines de vues. Sinon, en termes de couverture, eh bien, au niveau impression, on est quasiment à 500 impressions. 500 000, pardon, impressions, c'est-à-dire que les vidéos étaient présentées à des gens. 3,3% de clics. Voilà, et 0. Et spectateurs uniques, on n'en sait rien. Voilà, du coup, pour les impressions. Les vues générées par les impressions, 11 200. Durée de visionnage, 100 heures, ce qui est un tiers de mes vues. Les sources de trafic, principalement recherche YouTube et ensuite externe, etc. Google Search pour les sources de trafic également. Les top 10 playlists, l'IDM saison 2, je ne sais toujours pas pourquoi l'IDM saison 2 est autant apprécié. Pokémon Rocheux, pourquoi pas, parce que c'est un très bon jeu. Vidéo spéciale, image en personne, si on n'a aucune idée. Par suggestion de vidéo, c'est du coup pour des vidéos sur DefenTa qui font encore quelques vues un peu. Et niveau des recherches, ce qui est recherché le plus, c'est un film, Pokémon Go, ouais, The Prof, ouais, la méthode Gulli. La méthode Gulli qui fait encore quelques vues, hein, l'épisode dont on parle qui était sorti à l'époque. Durée moyenne de visionnage 36 secondes. Ce n'est pas beaucoup, il faut augmenter ça. Bien sûr, temps fort, bah, la vidéo de toutes les intros. La meilleure vidéo de ce début d'année, sûrement. Vidéo les plus regardées par écran de fin, l'épisode 14 dont on parle, le 3-3, Swing Your Dwarf, d'accord, l'épisode sur Shrek et le Pokémon 155. Voilà les vidéos les plus vues, les playlists, top des playlists, Pokémon Rouge-Feu, Géométrie Dash, vidéo spéciale, LG et les Dames saison 2, pourquoi pas. Et les fiches, eh ben aucune, parce que les fiches n'existent plus sur YouTube depuis un long moment. Et niveau audience, la dernière page. Nouveaux spectateurs, il y en a beaucoup, mais spectateurs réguliers, c'est-à-dire les abonnés, bah, ça stagne un peu, quoi. Ah, enlève-toi, voilà. Hop. Vous êtes 82,2% à ne pas être abonné à la chaîne. On va changer ça. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Je poste des vidéos assez régulièrement dans la semaine, donc vous aurez de quoi faire. Et si vous voulez activer la cloche, mais bon, ça risque et péril. Top des régions, France bien sûr à quasiment 50%. Et d'autres petits pays plus petits à quasiment 1%, environ 1%. Les États-Unis, la Belgique, le Canada et le Brésil. Pourquoi le Brésil? Aucune idée. Canada, Belgique, États-Unis, je pense comprendre pourquoi. 8,5% de femmes pour 91,5% d'hommes. Ouais, où sont les filles? Abonnez-vous, bien sûr. Et la moyenne d'âge est majoritairement du 18-24 ans, suivi du 25-34 ans et du 13-17 ans, avec un peu de 35-44, 45-54 et du 50, 65 plus, pardon. Et bien sûr, les langues de ce titre majoritaire, c'est aucun. Parce que je n'ai pas activé les sous-titres sur ma chaîne. Le français à 0,5, l'anglais à
Légèrement, apparemment, parce que pourtant il y a quand même une barre violette, c'est bizarre. Et espagnol, ça me le met alors qu'il n'y a rien du tout, ce qui est assez bizarre. Bon, et bah du coup, c'est la fin de la vidéo. On aura visionné tout ce qui est niveau statistique de la chaîne. On se retrouve du coup, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est 25 et je vous dis enjoy!